Jemima a 9 ans. Voici un an, des taches bizarres sont apparues sur sa peau. Quelques mois plus tard, ses doigts se sont recroquevillés. Perdue, sa maman est partie chercher de l'aide dans son village natal, loin dans la forêt. Elle a emmené Jemima et sa petite sœur chez un guérisseur, qui a donné une amulette à la fillette. Son talisman ? Le capuchon d'un bic rempli de bouts d'ongles, de cheveux et d'herbes. Jemima devait toujours le garder sur elle. Aujourd'hui, la famille rentre à Kinshasa, la capitale du Congo, à 700 km d'ici. Trop loin pour y aller par ses propres moyens. C'est pourquoi elles vont prendre un bateau au port de Mbandaka, quelques kilomètres plus loin. Le port de Mbandaka est une étape importante pour beaucoup de bateaux qui vont à Kinshasa et en Vienne. Cuivre, huile de palme, sucre, café, coton. Ici, on met de tout sur de grandes plateformes sans moteur. Entre toutes ces marchandises, des passagers qui ne savent jamais quand le voyage va commencer. Souvent, ils doivent camper à bord pendant des semaines, dans des conditions épouvantables. Les bateaux ne partent que quand ils sont bourrés à craquer et quand ils trouvent un engin qui les poussera vers leur destination. C'est tout sauf confortable, mais pour beaucoup de Congolais, c'est la seule manière de se payer le trajet vers Kinshasa. Pour Jemima aussi.